Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo. Comment vas-tu? Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu, ça fait 4 mois je crois que je n'ai pas publié sur YouTube. Je te retrouve ici dans ma terre natale en train d'aménager un nouveau van, comme tu l'as vu et comme tu l'as vu dans le titre. 30 jours pour aménager ce Mercedes Sprinter. Nous sommes au 10e jour. Voilà, je te le dis dès le début, nous sommes au 10e jour. Dans le début de cette vidéo, je vais te montrer toute l'avancée depuis le début. Je vais faire 4 ou 5 vidéos sur l'aménagement de ce van. C'est un van que je ne vais pas garder, je le fais pour le plaisir et surtout pour faire de l'argent. À la fin de l'aménagement, je t'expliquerai combien j'ai investi dans ce van-là et combien on peut en tirer. Parce que je pense que ça peut être intéressant pour toi si jamais tu veux te lancer. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram, beaucoup de monde en fait qui me demandent, qu'on peur de... Ça représente parfois un gros investissement et qu'on peur de perdre de l'argent. On perd rarement de l'argent avec un van, je te le dis, si il est bien fait. Évidemment, il y a quelques conditions à respecter. Bref, on en parlera tout au long de ces vidéos. Si jamais tu débarques sur cette chaîne, je t'invite à aller voir les autres vidéos parlant des 2 premiers vans que j'ai déjà fait en 2020, durant le Covid, et en 2021. Je ne suis pas un expert, je tiens à le dire dès le départ. Les conseils que je donne sont des conseils d'amateurs. Ce n'est pas mon métier, je fais ça pour le plaisir avec mes 2 petites mains. J'en fais en général chaque été. Et comme jamais 203, eh ben on est parti pour le 3e. Comme je te le disais, 30 jours pour amener chez Sprinter, ça commence par enlever tout le bois, comme d'habitude. C'est une étape qui est assez satisfaisante. Ensuite, on va se lancer dans l'isolation. Alors 30 jours, c'est vrai, c'est pas beaucoup, mais comme c'est mon 3e, je me dis que c'est peut-être faisable. On verra bien où on est dans 30 jours. On lance le décompte maintenant, top chrono, c'est parti. Deuxième journée de travaux, je vais m'attaquer à l'isolation. J'ai choisi cette année de la laine de chanvre. J'ai abandonné l'Armaflex pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la laine de chanvre a la même efficacité que l'Armaflex, mais est 2 fois moins chère. C'est une laine qui ne se tasse pas, pas comme la laine de verre. C'est une laine qui résiste à l'humidité et c'est une laine qui fait isolation thermique et isolation phonique. Donc c'est vachement intéressant. Voilà pourquoi je l'ai choisi. Donc c'est parti, on la pose. Alors, mon avis pour l'instant sur la laine de chanvre, je suis en train de la poser, comme tu l'as vu dans la vidéo, donc là je suis à peu près rendu à la moitié je pense, il va me rester tout le sol et tout le plafond. À la pose, pour l'instant, ce que je peux te dire, c'est que c'est beaucoup plus simple à poser que l'Armaflex, et à l'usage, les retours sont très bons sur internet. Je suis pas du tout le premier à isoler un van avec de la laine de chanvre, c'est assez connu, même si c'est pas le plus répandu. J'aime beaucoup l'Armaflex, je l'ai utilisé pour mes deux vannes précédents comme tu le sais. J'en étais très satisfait à l'usage, à la pose aussi, mais là je dois dire que la laine de chanvre à la pose c'est aussi très agréable. Pourquoi? Parce que ça se met partout, ça va dans tous les recoins, tu peux la découper, si jamais tu t'es un peu loupé sur la découpe, tu peux remettre un bout, etc. Donc c'est vraiment pratique. Le meilleur conseil que je peux te donner pour la laine de chanvre, c'est d'agrandir tes mesures. C'est-à-dire par exemple si tu découpes, enfin, si tu mesures 30 cm pour ce carré là, par exemple pour cet endroit là, je te conseille de découper en réalité 35 cm et pas de découper 30 cm. Parce qu'en fait faut vraiment que la laine de chanvre épouse la forme du van et aille partout dans tous les recoins pour éviter évidemment les ponts de chaleur. Et après moi j'utilise, comme tu le sais maintenant, c'est la 3e année que j'utilise ça, de la mousse expansive que je mets donc dans tous les renforts qui sont inaccessibles. Je veux une isolation bien faite, c'est super important pour l'hiver et pour l'été et pour l'isolation phonique. Il n'y a rien de pire que d'être dans son van sur un parking, parce que oui on n'est pas toujours dans des spots de fou, et d'entendre donc et d'entendre distinctement, parce que tu les entendras toujours évidemment, mais de les entendre distinctement c'est autre chose. Et quand l'isolation est bonne, tu n'entends pas vraiment les gens qui sont autour de toi, donc ça c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que là je vais mettre le bois, je vais d'abord le fixer en bas et ensuite donc le bois sera à moitié fixé et là je vais pouvoir caler la laine de chanvre. L'objectif c'est qu'en fait la laine de chanvre vienne se caler entre le bois et la paroi avec de l'air entre les deux. L'air ça isole, hein, c'est un très très bon isolant, donc c'est pas du tout un problème d'avoir de l'air entre le bois et la laine de chanvre, bien au contraire. Donc on est parti. Mon ami, on fait un petit bond en avant dans la vidéo, ça fait un petit bout que j'ai pas filmé, au moins 4 ou 5 jours, je m'excuse. Enfin j'ai filmé avec la GoPro, mais je n'ai pas filmé face caméra on va dire. J'étais lancé dans mon truc, comme tu le sais, si tu me suis depuis quelques années maintenant, c'est mon 3e van. Donc si jamais tu es intéressé par plus de détails dans la construction, je t'invite à aller voir les autres vidéos qui sont entièrement détaillées, ou presque entièrement détaillées, sur quasiment toutes les étapes de la construction. On est rendu à la plomberie, donc comme tu peux le voir, enfin tu l'as vu sur la vidéo avant, mais sans que je te détaille vraiment ça, on est sur, en gros, l'armature du van. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de parois, il y en a 2 ou 3, rien n'est fermé et c'est le meilleur moment pour poser le matériel. C'est vraiment ce que je te conseille de faire, comme je te l'avais dit dans les autres vidéos aussi l'année dernière, et il y a deux ans, non, justement. Pourquoi? Parce que mon premier van, j'ai d'abord tout fermé, fait toutes les parois et après j'ai mis le matériel. Grosse erreur, parce qu'après tu es gêné par des parois à droite à gauche, t'as pas l'espace, tu peux pas passer tranquillement, etc. Donc en fait il faut, je pense qu'il faut rien fermer, en tout cas moi je ferme rien, tout est encore presque ouvert comme tu peux le voir et c'est maintenant que j'installe le matériel